Au cœur du grand désert, qui a vu naître la civilisation arabe, s'élèvent encore les vestiges d'un riche passé pré-islamique, dont le symbole sensuel et mystérieux est Balkis, la reine de Saba, que décrit avec fascination le Livre des Rois. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux chargés d'épices, d'or et de pierres précieuses. Elle donna au roi 120 talents d'or. Il ne vint jamais plus d'aromates que la reine de Saba en donna au roi Salomon. Les anciens, éblouis par la richesse et la diversité des paysages du Yémen, l'appelaient l'Arabie heureuse. Au carrefour des pistes des caravanes, chargées de tous les parfums d'Arabie, les Bédouins ont construit des villes à l'architecture audacieuse. La légende fait remonter l'origine de la plus prestigieuse d'entre elles, Sanaa, à Sem, l'un des fils de Noé. Au cours de sa longue histoire, le Yémen a connu les différentes religions du livre. Le judaïsme, à l'époque des souverains imarites, du IVe siècle. Le christianisme, soutenu par les Byzantins. Et enfin l'islam, introduit par Mouad ibn Jabal, le messager. Dans les stéréos, ces échoppes des souks de Sanaa, où l'on vend des cassettes, la musique est reine. L'isolement du pays pendant des siècles a permis aux Yéménites de garder un univers musical où fleurissent les formes archaïques, témoins des premiers âges de la musique classique arabe. Au dernier succès d'une vedette locale se mêle le chant du bédouin, accompagnant la ronde obstinée du chameau qui entraîne la meule du moulin à huile. Yin ya wala adanza yin zilu li hubbi la faranza yin la lili lolo wallahi la zafir fawqa safina safir fawqa safina. Dans cette ville, fermée, voilée, repliée sur elle-même, se célèbre chaque jour le rituel du Maghial. Dans le salon qui surplombe la vieille ville, un groupe d'amis épris de poésie et de musique, ici indissociables, se réunit chaque fin d'après-midi.
Le rituel de la musique ne saurait se passer de celui du kat que pratique l'ensemble de la société yéménite. Cette plante que l'on mâche longuement pour en extraire le suc a des effets légèrement stimulants en même temps qu'elle favorise la méditation. Hassan Al-Hajmi accorde son kambous, celui typiquement yéménite, d'origine très ancienne, appelé aussi tarab, ce qui signifie extase ou émotion. Le musicien chante une forme de poésie amoureuse, le Humaini, qui remonte au XIVe siècle. عليكم السلام الحمد لله الدنيا بخير الحمد لله يا هلال الفلك يا خش في يا سجلا يا يا خشبي يا زجل